Voilà, aujourd'hui je vous fais la totale avec la caméra qui n'était pas allumée au démarrage, c'est encore mieux. Bonjour à tous. Je ne sais pas comment s'est passé votre week-end, j'espère que c'était sympa. Moi j'ai enfin revu des potes en petit comité, ça faisait longtemps, c'était bien sympa. Et puis la gestion des... Si, je vais vous raconter ça quand même. Bon, la gestion de la grêle, vous en avez parlé l'autre jour. Bon, l'assurance va prendre en charge... le fait que ce soit grêlé, donc il va falloir que j'aille dans un centre, enfin bref, peu importe, ça c'est pas encore trop compliqué. Et puis derrière, j'ai la blague de mes vacances de la pandémie où on devait partir en avion avec Transavia, bonjour la pub, qui à l'époque, un coup ça ouvrait, un coup ça fermait, donc j'avais fini par annuler le vol, en tout cas je pensais l'avoir annulé correctement. Et comme ils étaient en pleine pandémie, ils avaient mendié, gardé la trésorerie. Sous forme d'un avoir, mais ils n'avaient pas coché la petite case visiblement dans leur système, puisque quand je suis revenu vers eux il y a 15 jours là, ah bah tout à coup, c'était pas un avoir, on vous avait pas dit ça monsieur, vous avez pas pris le vol, on va vous rembourser 200 balles de taxes d'aéroport sur les 1300 de votre vol, vous l'avez dans l'os. Donc je sais pas ce que ça va donner, j'ai l'impression que de toute façon ils ont la loi pour eux, cette bande de bandits, donc je leur ferai beaucoup de pubs, donc n'hésitez pas, Transavia, super. Voilà, ça occupe. Mais sinon, j'ai eu quelques petites choses sympas, outre cette soirée du samedi soir. Je ne sais pas dans quel ordre je vous fais ça. Je vous montrerai peut-être après, on va tenter. J'ai deux choses. J'ai eu un petit colis qui est arrivé. Mais comme la personne qui l'a envoyé est ici et qu'elle n'est pas encore connectée, on va attendre un peu voir si elle se connecte. Et l'autre truc, c'est que je me suis lancé encore dans un nouveau jeu. Alors j'ai déjà pas le temps de faire tous les autres. Hein. J'adore toujours Valheim, mais j'ai pas assez de temps de jeu, donc évidemment, j'en commence un autre, c'est comme les projets. Par contre, je vais. Hop. Je crois que je l'avais déjà fait une fois, mais on va recommencer. C'est un jeu dont j'ai pris connaissance grâce à une communauté fort sympathique, qui est derrière une chaîne Twitch que je vais vous partager une fois que j'aurai fait mon travail. Hop, à savoir, vous partagez le Discord, même si aujourd'hui, peut-être que l'émission sera un peu moins riche, peu importe. Sachez qu'on a enfin lancé ce qu'on a évoqué l'autre fois, à savoir le projet Caro, qui s'appelle donc maintenant Projet Caro, qui sera normalement une tortue mobile programmable, y compris par des cartes perforées, ou en tout cas des systèmes avec des petits jours, mais on en reparlera dès que ça aura un petit peu avancé. On a créé les repositories. Goose ici présent a déjà poussé la partie génération des petites cartes qui vont servir normalement. On verra ce que ça donne. Donc, toujours est-il que je vais vous partager. Où est-il? Voilà. Je vous conseille d'aller sur la chaîne des productions de moi. Donc j'en avais déjà parlé. Et justement, vous voyez, il y a deux lives déjà qui sont dispo sur le jeu Sea of Thieves. Et je vous conseille, c'est vraiment vraiment fun. Je voulais vous le partager. Là d'ailleurs, je suis en train de faire chauffer le Mac pour rien, à chercher à faire tourner le jeu en même temps. Mais je suis pas sûr. Donc là, vous devez voir le jeu, je pense. Comme j'ai plus qu'un écran, mettez-moi un commentaire pour me dire si vous voyez le jeu. Alors, le problème, c'est que dans ce mode-là, la souris, elle fait n'importe quoi. Et si je bascule dans notre plein écran, je pense que vous allez perdre. Voilà, là, j'ai basculé sur le mode plein écran qui me permet de jouer. Mais je ne suis pas sûr que je vais revenir vers vous. Voilà, pour voir vos commentaires. Alors, dites-moi. Donc là, vous voyez le jeu parce que je l'ai remis en fenêtré. Mais quand je vous ai dit que j'étais passé en plein écran, est-ce que ça a rebasculé entre les deux ou pas? Ou est-ce que vous avez vu le jeu tout le long non-stop? Je vous le refais. Je suis dans le mode où je sais c'est fenêtré, vous êtes censé le voir. Je passe en mode plein écran. Peut-être que vous le voyez, parce qu'il me semble que ma petite fenêtre de diffusion des cams montre que vous voyez le jeu. Dites-le moi en commentaire là, que je sache. Donc là, bon, du coup, j'ai tellement attendu, c'est la nuit. Mais voilà, vous dirigez un pirate. Donc un pirate avec un sabre, avec un mousquet, un pistolet, pardon.
Et évidemment, un navire. Donc là, c'est l'île qui vous permet de lancer vos missions. Le système est un peu spécial, c'est-à-dire que c'est en ligne, c'est-à-dire qu'il y a d'autres joueurs que vous allez croiser parfois malheureusement pour vous. Mais j'ai l'impression qu'on voilà, on lance vraiment une mission, on la fait, on revient, il y a peu de choses qui restent sur le compte finalement. Donc c'est un peu parfois frustrant. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour là. Et il y a quand même des choses chouettes avec de la météo. Je vais juste revenir un instant pour avoir vos commentaires. Donc vous voyez, impeccable. Pareil niveau son, vous entendez un petit peu de fond sonore, genre une petite musique, les vagues et tout ça, ou j'ai trop coupé là. N'hésitez pas à me le dire. Donc en tout cas, moi je me suis régalé parce qu'il y a une ambiance donc en 3D, mais une ambiance qui moi m'a fait penser au Monkey Island. Il y a des vannes, il y a le style graphique également un peu. Et vraiment, dès le tuto, il se trouve que bon, il y a des choses à faire qui sont guidées, classiques, et puis on peut arriver très vite dans le jeu. Et malgré tout, ben j'ai dans la partie tuto, j'ai découvert qu'on pouvait récupérer des livres. Les livres m'ont mené à un petit trésor, et donc c'était parti, quoi. Donc pour l'instant, j'ai vraiment fait le tout début. Donc voilà, c'est un petit sloop qui est fait pour deux joueurs, et je pense que c'est vraiment fait pour au moins deux joueurs parce que tout à l'heure j'ai fait une partie. J'ai pu aller chercher un. Ouais, il me dit d'aller chercher un trésor, hein, mais d'ailleurs, je dois plus avoir de voyage, j'ai dû le consommer. Le truc, c'est que, eh bien, une fois tout seul, j'ai croisé un autre navire géré par des PNJ, d'ailleurs, en l'occurrence, hein, des squelettes. Et ben, c'était difficile de courir m'occuper des canons, parce qu'il faut s'occuper à la main là, des canons. On vient les charger, il y a des boulets dans la cale. La cale qui est par ici. Quand la cale est abîmée ou le navire est abîmé, vous avez un système avec des planches. Vous allez vous balader avec les planches et les endroits où il y a les zones endommagées, ben vous allez les réparer. Ensuite, eh ben, si ça a été endommagé, vous avez de l'eau qui est rentrée. Donc vous ramassez l'eau, vous allez la jeter à l'extérieur. Donc ouais, tout seul, très sincèrement, je suis sûr qu'il y a des gens qui arrivent et qui sont très doués pour jouer. Mais moi, le premier combat s'est mal fini parce que j'arrivais pas à maîtriser direction, bateau, canon, eau, enfin. Je pense qu'il faut au moins être deux. En sachant qu'il y a trois types de navires, ça peut monter, je crois, jusqu'à 8 joueurs. Donc, c'est intéressant, je trouve. Et surtout, l'ambiance est vraiment. Il n'y a pas de son. Ouais, parce que j'ai dû vraiment mettre au minimum. Je vais essayer de remonter un peu. Histoire que vous en preniez un peu dans les oreilles. Hop. Mais je suis pas sûr. Hop. Ah, ça, c'est la fenêtre du Shadow. Attends, on va retourner là-bas. Raté, on peut nager. Bloop, bloop, bloop. On peut pêcher, il y a pas mal de petits trucs. Je vais peut-être regretter le fait qu'il n'y ait pas des choses un peu plus persistantes. C'est-à-dire vraiment ce côté, on va d'une mission à l'autre. Mais bon, pourquoi pas. On a quand même des coffres. On a différentes factions. Ça, c'est la. Il y a les Season Pass aussi. Ça, c'est la dernière faction. Des missions à remplir. Collecter de l'or. Aller se battre contre des squelettes. On a des familiers. On a une capacité à. Les habits, on peut se changer. Ah si, les habits, je vais pouvoir vous le montrer, ça. Tac, je suis bête. C'est marrant, ça aussi. Je vais vous montrer cet aspect-là, quand même, vite fait. Hop. Mais je jouerai quand même un peu plus pour pouvoir vous montrer des choses. Ah, j'y vais un peu trop violemment à chaque fois, évidemment. Tout en finesse. Hop. Et je voulais vous montrer les habits. Donc ça c'est. J'ai vu que c'était persisté, parce que j'ai acheté un chapeau pour voir la tête que ça faisait. Voilà, et quand on va là, on peut changer son pirate, lui mettre une tenue aléatoire. Voilà, il en change à chaque fois. Moi j'aime bien, ça me fait rire. Voilà, c'est pas là, il y a des robes qui vont super bien à un personnage comme ça, masculin. Je trouve que c'est super bien foutu. C'est assez rigolo. Voilà. Il ne veut pas changer là. On va déséquiper. Voilà. Pourquoi. Ouais, si, ça y est. Donc voilà, je trouve que c'est beau comme tout. Je trouve ça rigolo. Et je vous le conseille. Hop. On va essayer de quitter ça proprement.
surtout, je vais arrêter de vous partager tout ce bazar et je vais bien tout couper derrière pour que ça arrête de chauffer. Donc voilà, Sea of Thieves. Que oui, je vous conseille parce que je trouve que c'est vraiment marrant. Je sais pas si tout seul je vais arriver à faire grand chose, mais je sais que justement, donc je vous disais dans les productions de Moa, il y a un Discord et une communauté où ça joue à pas mal de jeux, et notamment à celui-là. Donc je pense que je vais bien m'amuser avec ça. J'espère en tout cas. Voilà. J'ai pas vu Charlito arriver, il doit pas être là. Mais c'est pas grave. Je vais enchaîner avec la suite parce que j'ai eu la très agréable surprise de recevoir une enveloppe avec. Alors, attendez, je coupe complètement le shadow. Voilà. J'ai eu l'agréable surprise de recevoir une enveloppe avec deux petits paquets que je vais vous montrer tout de suite. Alors, le premier, j'étais perplexe. Je sais pas si on voit à travers le sachet là. Hop. Voilà, j'ai cru que c'était des capteurs ou un truc comme il a fait des délires avec des odeurs. Qu'il a bossé sur du design. Je lui ai dit, tiens, il a trouvé des capteurs ou des capteurs à CO2, je ne sais quoi, et pas du tout en fait. En regardant de plus près, et puis après il me l'a dit. Vous avez là. Allez, allez, je sais que c'est difficile pour toi, petite caméra, mais tu vas y arriver. Allez. Ah, c'est parce que je manque un peu de lumière. Il voit ma main plus qu'il ne voit l'objet. Compliqué, compliqué, compliqué. Voilà, comme ça. J'étais trop. Voilà. Les petits trous que vous apercevez quand il veut bien faire la mise au point, c'est vraiment trop petit. Je vais faire comme ça avec ceux-là devant. Ça fait un flou au passage. Voilà. Donc c'est les trous d'une breadboard. C'est des petites breadboards. Donc je sais pas trop les petits picots qui sont à l'arrière, dans quoi on peut les fixer. Je vais regarder ça. Donc oui, il y a Goose qui dit on fait pas mal de Counter-Strike aussi, je confirme. Énormément de Counter-Strike. Il y a vraiment de très bons joueurs en plus pour mon niveau. Ça, je suis un peu le touriste de la bande, n'est-ce pas? Mais c'est rigolo. Il y a une bonne ambiance. Quand c'est du Valheim aussi, c'est sympa. Enfin, il y a plein de types de jeux. Et Monsieur Vache, qui est derrière les productions de Moa, fait des lives très rigolos. Si vous aimez les jeux un peu d'épouvante, genre les Phasmagoria et les trucs comme ça, c'est plutôt bien. Et la deuxième partie du petit cadeau, alors là j'espère que la mise au point va fonctionner parce que je serais dégoûté sinon. Je vais mettre une. Hop là, si je l'ai eu. Zut. Voilà. C'est le petit Sam D51 en forme de bonhomme Lego. Donc un grand merci à Charlito. Ça m'a vraiment vraiment touché quand j'ai ouvert la petite enveloppe. Donc voilà, j'ai un petit bonhomme Lego, donc avec un SAMD51, codable en Python. On aperçoit qu'il y a un certain nombre d'entrées-sorties là tout le long. Hein, les petits trous, vous voyez, sur les jambes et sur les bras, c'est les entrées-sorties. Et c'est magnifique. Hop. Bien sûr, comme j'ai super préparé l'émission, j'ai pas pensé à vous mettre un lien, mais je crois qu'on en avait parlé dans une émission. Et c'est vraiment trop mignon, effectivement. Et je sais pas exactement sur quoi je vais. Je veux pas le dénaturer en soudant autre chose de l'autre côté, mais voir si je peux lui tordre une broche ou deux que je planterai dedans pour faire un petit montage. Genre un démontage que j'ai là avec les systèmes à base de Lego, ça irait bien tout ensemble. Ça serait vraiment génial. Donc encore merci, Charlito. Je sais pas si par miracle je vais réussir à vous trouver. Hop. Je fais une petite recherche vite fait. Oui, je crois que je vais trouver. Attention, roulement de tambour. Hop, oui, j'ai trouvé. Je vais vous partager ça. Donc là, c'était un article en 2018. C'était la version SAMD 21, je crois. Non, c'était déjà la SAMD 51. Voilà. Fait par donc le pseudo c'est BW Shockley. Voilà, on peut admirer ces cartes. Donc je pense qu'on peut aller. Voilà. Il y a un site qui bien sûr n'existe plus. Ah bah voilà autre chose. Ah, le site c'était à l'époque, alors ça a peut-être changé, effectivement. Peut-être qu'on peut rebondir sur le GitHub. Ouais.
Donc a priori, voilà. Il y a ce qu'il faut en M0 ou en M4. Ah, il y a tout, il y a les schémas, il y a tout. Donc si ça vous dit, je suis sûr que c'est possible. Je vais tout de suite vous mettre le lien. En tout cas, je trouve, voilà. C'est pour une fois, c'est pas on cherche à bouger, à déplacer des Lego, c'est on prend l'imagerie des petits personnages Lego, on en fait une carte programmable, je trouve ça mignon. Et puis, ma foi, ça fait une carte de plus à ma grande collection, dont je suis très content, à pas se le cacher. Donc voilà, c'était un tout petit lundi, j'avais pas grand-chose à vous raconter, c'est censé, je m'en excuse, j'ai moins l'inspi, voyez. Même si je sais que ça va redémarrer, vu que ne serait-ce que le projet donc Caro, la tortue programmable qu'on a lancé là un petit peu. Il y a Alex qui a déjà fait des propositions, Goose aussi. Donc on verra où ça nous mène. J'espère qu'on arrivera à faire aboutir quelque chose. Moi je trouverais ça super, super sympa. Et en tout cas, je vous tiendrai au courant dans les émissions. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc je crois que les repositories, je les ai même laissés en privé pour l'instant. Mais on les mettra bien sûr en public. Et oui, on vous tiendra au courant de l'avancée. Si ça se trouve, entre-temps, il y a d'autres projets. Alors je ne sais pas avec l'été comment ça va fonctionner, qui auront avancé. N'est-ce pas, Monsieur Goose, qui viendra peut-être nous parler de Cody. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je pense qu'on va finir par le faire. Faire une interview de Monsieur Goose. Et puis ben voilà, on essaiera d'avoir des choses un peu plus concrètes. Parce que j'avoue que là, j'ai un peu de fatigue et j'ai moins le peps de me lancer dans des trucs et de vous en parler ensuite. Faudrait définir les besoins. Tout à fait, ouais, on va discuter de tout ça. Donc, je vous ai mis le lien du Discord. Si ça vous intéresse, un projet de A à Z d'un robot matériel et logiciel programmable, sûrement, on l'a dit, avec un système proche des cartes perforées, avec un tas de trucs. Oui, donc Goose, il dit, il faut que j'avance sur le livre. C'est un projet qui lie un livre et un système de cartes imprimées. Oh, eh bien, voici une Ninja Scrally qui apparaît, sauvage. Ah, tu vois, tu viens juste pour l'émission où j'avais pas grand-chose à raconter. J'ai quand même réussi à montrer un petit bout de Sea of Thieves sans faire fumer le Mac, tu vois. J'ai ma combinaison avec un seul écran. C'est peut-être pas extraordinaire, mais au moins ça fonctionne. Donc voilà. Et puis, voilà. Tu n'étais pas là, mais je sais que c'est les choses qui peuvent te plaire aussi, tu vois. Je parle souvent de cartes programmables. On a Charlito, un membre de la communauté, là, qui m'a envoyé. Oups, on va y arriver. Allez, tu as réussi tout à l'heure. Voilà. Les petites minifigs. Voilà. C'est Mimi, hein? Tu dis intéressé par ta combinaison. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Quelle combinaison? Ah oui, la combinaison, pardon, pour faire marcher le Mac. Bah ouais, mais c'est ce que je disais, c'est juste un connecteur Inatec tout simple qui fait même. J'ai les polices légèrement floutées, il me semble. Donc c'est pas idéal. Je peux faire qu'un écran, enfin bref. Ça me permet de bosser et de faire des lives sans que ça parte en fumée. Donc c'est déjà pas mal. Mais c'est quand même bien la misère. Je sais, ma pauvre Oxrally. En tout cas, j'espère que d'ici la fin de la semaine, on n'aura pas la météo qu'il y a à Lyon, à Roquebrune pour le Riviera Dev. Parce que là, on risque pas de faire grand-chose sur un ponton avec le temps qu'il fait. Ah, ça donne envie la minifig. Et ouais. Ça serait sûrement l'occasion d'ailleurs de convertir. Je remets le lien sur le GitHub. On pourrait, je suis sûr, convertir Aurélie avec un truc aussi mignon comme ça. On va la lancer. Elle va passer de cube à la programmation embarquée. Je suis sûr que tu ferais des choses sympas. Et les trucs qui se mélangent avec les Lego, ça te plairait tout ça. Donc voilà, et ben ravi que tu aies pu passer Aurélie, même si c'était, je crois, une de mes émissions un peu moins motivée et moins vive, on va dire, avec moins de sujets, mais voilà. C'est comme ça. Vendredi, c'est soleil normalement, c'est parfait, Kios. Voilà.
Eh bien, sur ce, j'ai envie de dire tant pis, c'était pas long, mais ça fait toujours plaisir de vous voir. Je vous invite à nous rejoindre bien sûr sur notre Discord pour papoter des projets, notamment de Caro la Tortue. Et s'il fait pas beau, faute de prendre un bain, on prendra une douche au Riviera d'Ève, c'est clair. Mais ça va bien se passer, il fera beau. Il fera beau, il fera chaud, ça sera très bien. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous tiens au courant sur le Discord si mécaniquement je vais réussir à faire un deuxième live. J'ai pas mal de trucs. J'ai la petite mascotte cachée derrière là qui va retourner voir le veto, rien de grave, juste pour enlever les points de son opération mercredi. Et après, je pars jeudi. Alors, je pense que je vais avoir du mal à restreamer une deuxième fois cette semaine. Ça me rechargera les batteries d'idées et de projets. On verra ce que ça donne. Bonne journée à tous et à très bientôt!